Bonjour. J'ai la chance de pouvoir proposer un espace dédié aux artistes locaux ou nationaux sur Lutry. La force majeure de cet espace, c'est surtout de pouvoir le partager, que ce soit axé sur l'artisanat africain, la mode, la maroquinerie, la peinture. Et voilà, en cette période de pandémie, post-pandémie, repandémie, je trouve que d'offrir un peu du rêve et puis des paillettes pour chacun, ça me correspond bien et c'est quelque chose que j'ai envie de communiquer, de proposer. Oh, bonjour, moi c'est Sonia, je suis artiste designer pluridisciplinaire, un peu touche à tout. Maintenant, ça fait 5 ans que je vais de l'avant avec ma marque de sac. Alors sur place, vous allez rencontrer notamment les créations d'une grande amitié de Lutry qui s'appelle Renske Carpanetto, qui est une touche à tout au niveau du print, que ce soit sur tissu ou sur papier. Voilà, il y aura d'autres choses là concernant qui vont venir. Je garde un peu de suspense. Exactement. Alors une passion en amenant à une autre. Je suis un peu fétichiste des sacs. À savoir que mes créations sont principalement du cuir. Donc on est toujours sur un cuir européen de premier choix. Je pars du principe qu'un sac à main doit nous ressembler. Donc j'aime à penser qu'il puisse durer. Donc il doit être bien fait, il doit être beau. C'est un bijou. Alors tu m'as amené plein de nouveautés là. Oui. Génial. Toutes les tailles. Superbe. Tout. Et oui, j'allais oublier, mais si vous désirez exposer vos travaux, il faut savoir que je fonctionne au coup de cœur, mais je suis ouverte à la rencontre. Je ne suis pas très compliquée, il y a toujours du bon café sur place pour négocier tout ça. Pour de plus amples informations, je vous invite à m'écrire via le site internet solid-id.art. Ou alors de contacter notre journaliste Elisabeth via World and Pictures, wp-t.ch. Voilà, merci.